Très heureux d'annoncer que CH Bank et l'Université à Hawaï, qui est l'une de nos plus prestigieuses universités au Maroc, on a conclu un mémorandum sur lequel nous nous engageons à investir sur les compétences des jeunes. Bien entendu, tous les jeunes, et particulièrement ceux qui sont ici à Hawaï. Ce mémorandum, en fait, comporte cinq sujets. Le premier, c'est que on organisera, comme on l'a déjà fait d'ailleurs en 2023, un bancathon, qui est donc une sorte de compétition d'idées qui s'organisera inchallah avec Hawaï. Le deuxième sujet, c'est bien évidemment promouvoir l'emploi au sein de CIH auprès de ces jeunes, en organisant ce qu'on appelle le speed dating auprès de ces jeunes lauréats. Troisième sujet, c'est évidemment accueillir ces jeunes avant même qu'ils ne soient peut-être lauréats de l'université à Rouen en tant que stagiaires chez nous, sur des stages qui durent 3 à 6 mois, ce qui permettrait évidemment de peaufiner leurs connaissances et leur apprentissage. Deux autres sujets qui sont tout aussi importants, c'est qu'avec Hawaïn, on s'engage à participer activement au lab Innovation de Hawaïn, notamment sur le thème de l'intelligence artificielle, puisque CH mettra à la disposition de Hawaïn et de ce lab ses experts sur ce sujet-là. Bien sûr, ces experts orientés, je dirais, dans le monde bancaire et dans le monde de la finance de manière générale. Enfin, le dernier sujet, c'est que nous engageons aussi à ce que les jeunes entrepreneurs issus de Hawaï qui souhaitent se lancer, j'espère qu'il y en aura beaucoup, dans l'entrepreneuriat, à ce qu'on puisse les accompagner dans leur aventure, notamment en les aidant en termes d'incubation et en termes, notamment s'ils travaillent sur le sujet de la fintech. Voilà, donc on est très content de pouvoir signer ce mémorandum qui, Inch'Allah, sera très fructueux et permettra à nos jeunes là, de se développer et de réussir, Inch'Allah. Organisons à la CGEM un événement très important aujourd'hui entre le monde académique et l'environnement professionnel autour de l'intelligence artificielle. Donc vous connaissez tous les technologies récentes qui sont développées un peu partout dans le monde. Et ce que nous cherchons à comprendre, c'est l'impact de ces technologies sur l'environnement économique et comment est-ce que les universités, et en particulier l'université d'Al-Hawaïn aujourd'hui, doivent s'adapter et adapter leur formation pour prendre en compte les nouvelles évolutions technologiques.